Bonjour et merci d'être fidèle à C'est l'Hebdo comme tous les week-ends. Au sommaire, ce samedi, trois dossiers au cœur de l'actualité. Trois avocats, trois ténors du barreau. Et d'abord, une image qui nous a tous blessés. Celle d'un portrait de Simone Veil profané. Un acte, un de plus, qui s'ajoute à la longue liste des actes antisémites qui frappent notre pays. Nous voulions entendre la parole du fils de Simone Veil, Jean Veil, un homme pudique et l'un des avocats les plus puissants de France. Il sera sur le plateau de C'est l'Hebdo dans un instant. Dans l'actualité de la semaine aussi, le procès de Christophe Détinger, l'ancien boxeur jugé et condamné pour avoir frappé des gendarmes. Un procès très médiatisé, symbolique au moment où certains demandent l'amnistie pour tous les gilets jaunes. L'avocat de Christophe Détinger, maître Henri Leclerc, une vraie légende, grand défenseur des droits de l'homme et doyen du barreau de Paris, viendra nous rejoindre lui aussi dans un instant. Et puis l'affaire Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan incarcéré au Japon. Et sous le projecteur, son mariage à Versailles, ses résidences de luxe, un train de vie invraisemblable. Mais Carlos Ghosn contre-attaque, une stratégie de défense que nous expliquera son avocat, l'un des très grands pénalistes, maître Jean-Yves Le Borgne. Et puis après 20 heures, le métier et la vocation d'avocat raconté par Henri Leclerc, Jean-Yves Le Borgne et Jean Veil. Ils ont défendu des politiques, des grands patrons, des stars du showbiz, de Jacques Chirac à DSK en passant par Kim Kardashian ou Johnny. Ils nous raconteront les secrets de leur profession. La parole à la défense, ce sera dans la suite de C'est l'Hebdo. C'est l'Hebdo, c'est maintenant. C'est l'Hebdo avec mes amis Émilie Cranel-Guyenne, Jean-Michel Apathy, Eva Rock. Salut. Salut Annie. Bonsoir. 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 C'est l'Hebdo. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est l'Hebdo. C'est l'Hebdo. Ouais. Je vous le disais, trois images cette semaine, le portrait de Simone Veil profané, le procès de l'ex-boxeur Christophe Détinger et la contre-attaque de Carlos Ghosn. Trois images et trois personnalités extrêmement fortes qui les incarnent. Trois des avocats les plus puissants de France, maître Henri Leclerc, maître Jean-Yves Le Borgne et maître Jean Veil. Ils sont tous les trois les invités de C'est l'Hebdo. Bonjour et bienvenue, maître Henri Leclerc. Bonjour. Bonjour. Moi qui suis à droite, on m'a dit que j'étais à gauche. Bienvenue, installez-vous, maître Borgne, bonjour. On ne peut rien pour vous. Vous vous connaissez bien tous les trois ? Bah, moi, je fais connaissance avec eux parce que ce sont des ténors du barreau. Alors, Henri est là depuis longtemps. Jean-Yves est avocat depuis il a été bâtonnier. Lui, il est président de la Ligue des droits de l'homme. Enfin, bref, moi, je ne suis rien. Le petit dernier. Je suis le fils de maman. Le fils de maman, c'est déjà pas mal et on va en parler. Vous vous êtes déjà retrouvé l'un face à l'autre. Ça a toujours bien marché, ça, le fishing for compliments. Plutôt. Vous vous êtes déjà retrouvé l'un face à l'autre à défendre des points de vue pas nécessairement en face. J'ai plutôt été du côté de. Je crois qu'Henri Leclerc a été mon avocat. Oui, absolument. C'était son avocat parce qu'il avait fait des choses très mal. Enfin. Jean-Yves est un très grand avocat. Moi, je ne fais que 1m73. Et les deux autres sont beaucoup plus grands. Jean-Yves, nous avons plaidé ensemble. On a plaidé ensemble. Du même côté. Oui. En général, on ne m'entend pas quand je parle parce qu'on appelle Jean-Yves la voix. mais les méchantes langues disent que je peux être dépassé par l'instrument. Et on va en parler tout à l'heure justement de votre voix et de vos qualités, du talent qu'il faut pour être avocat. Mais on va commencer, Jean Veil, avec ce qui nous a tous choqués, ce qui a indigné les Français, le portrait de votre mère, Simone Veil, recouvert de croix gammée. Un acte parmi d'autres actes antisémites ces derniers jours. C'est une image particulièrement choquante qui rappelle les années 30, une inscription antisémite. Juden, juif en allemand, sur la devanture du magasin Begelstein, comme aux heures les plus sombres de l'histoire. Quelques jours avant déjà, une autre boutique de cette enseigne a été recouverte de cette inscription aux mots violents. Ce sont ces portraits de Simone Veil, réalisés au moment de la panthéonisation de la rescapée des camps, qui ont été retrouvés tagués de croix gammée. Et puis la consternation aussi à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Un arbre coupé. Il avait été planté en hommage à Ilan Halimi sur les lieux mêmes où le jeune juif avait été retrouvé après plusieurs semaines de torture. Il y a eu l'an dernier 541 actes et menaces antisémites, 74% de plus qu'en 2017.
Avant de parler de l'antisémitisme dans sa généralité ou sa contamination, son expansion, ce portrait de votre mère recouvert d'une croix gammée, quand vous l'avez vu, comment est-ce que vous avez réagi, Jean Veil ? C'est pas très facile à dire. Moi, je me souvenais des Invalides, mais je me souvenais davantage encore du Panthéon où il y avait des milliers de personnes. Je reçois en permanence des lettres de gens qui me parlent de maman. Je suis plutôt comme maman. Mon père aurait été absolument fou de rage. Maman aurait dit, aurait pris ça plus sagement en disant n'était-ce pas prévisible ? N'était-ce pas prévisible ? Ça nous a tous surpris malgré tout, justement. Oui, parce que vous n'êtes pas juif. Et donc, vous ne savez pas ce que c'est l'antisémitisme. On a. Enfin, je le connais. Vous le connaissez parce que. De manière livresque. Oui. Et puis peut-être. L'avoir vu s'exprimer. Oui. Moins que vous. Vous l'avez beaucoup moins vu s'exprimer. Beaucoup moins que moi. Et puis, y a eu les épisodes Faurisson, avec une presse qui était assez hypocrite sur ce sujet. C'est vrai. Vous regarderez le dossier. C'est-à-dire, au moment de la mort. Par exemple, le journal Le Monde, le dossier Faurisson, comme s'il y avait une égalité, un discours éventuel sur l'innocence ou la culpabilité de Faurisson. Avait-il raison ou n'avait-il pas tort ? Mais pas de complaisance, j'imagine. Si, si, une certaine complaisance. Moi, je sais ce que je pense, mais vous savez. Envers le chef de file du négationnisme, pour que tout ce moi, je suis né en 1947. Dans les années 50, on n'entendait pas grand-chose sur ces sujets, parce qu'on était trop proche de la fin de la guerre. Nos amis de gauche ont très vite appris qu'on pouvait se servir de l'antisionisme pour parler de l'antisémitisme. L'extrême droite a toujours été, beaucoup de gens d'extrême droite a toujours été antisémite. Oui. Les problèmes des banlieues et des écoles dans lesquelles, effectivement, il y a des difficultés entre des enfants juifs et des enfants d'origine musulmane. C'est... On va en parler, mais ce portrait, donc... profané, je vous disais l'émotion que nous avons tous ressentie, vous disiez que c'était prévisible. C'est quelque chose dont vous avez parlé en famille, par exemple, avec votre frère? Oui, bah, évidemment, on en a parlé. Et nous vous étiez indigné, révolté? J'étais dégoûté. Mais pas complètement surpris, n'est-ce pas? Souvenez-vous des affiches qui étaient au Panthéon et qui ont donc été installés le 1er juillet ou 2 juillet de cette année-ci. Et puis, au mois de septembre, on a appris que ces affiches avaient été lacérées, commentées, etc. Je pense que ça n'a attendu le mois de septembre que parce que tout le monde était au bord de la mer. Sinon, les affiches à Paris, elles sont très fréquemment lacérées. Et le respect que les Parisiens, mais aussi les Français et beaucoup d'étrangers donnés à maman n'empêche pas des gens qui sont lâches. Oui. Ils font ça la nuit, hein. Ils font pas le jour, ils font ça la nuit, en cachette. Et ils lacèrent des photos de gens qu'on respecte, mais aussi simplement des photos publicitaires. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Alors... Ensuite, il y a le problème de savoir s'il faut réagir et comment il faut réagir. Justement, oui. Mon frère et moi, nous avons dit au mois de septembre, quand les affiches du Panthéon, qui avaient d'ailleurs été dissimulées par un certain nombre des collaborateurs du Panthéon qui trouvaient que c'était pas bien de les laisser, ils avaient raison, ça donnait une tribune, nous avons dit que nous ne déposerions pas plainte. Et là non plus, là non plus je ne déposerai pas plainte. Vous avez dit, je vous cite, ce n'est pas de nature à apaiser l'ambiance. Alors, mais depuis, donc, il n'y a pas eu de plainte, mais il y a aussi beaucoup d'hommages. Et puis une proposition, Marianne, sous les traits de Simone Veil, c'est ce que propose en tout cas le parti Agir, emmené par les ex-LR pro-Macron dans une lettre au président. C'est une proposition qui a été bien reçue par la classe politique, mais aussi par le public. Et par vous ?
Oui, moi, je trouverais ça très bien, parce qu'au fond, elle n'est pas plus moche que les autres Marianne. Je trouverais ça assez sympa. Je trouverais ça... Brigitte Bardot. C'est un bel exemple d'antiphrase. Et ce serait une belle réponse. Voilà, donc, une belle réaction. Bon, alors on a mis papa et maman au Panthéon. Je m'étais simplement demandé s'il fallait mettre Simon de l'autre côté, mon père de l'autre côté de la Marianne, mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais voilà, il faut essayer de. Il faut essayer de, à la fois de vivre avec ça. Hein, les vous Juifs n'avez pas vivent porté avec plainte. Cette situation depuis 6000 ans. C'est terrible, mais est-ce que vous avez été malgré tout rassuré par l'émotion collective, par celle qui s'est manifestée, les réactions, des politiques, par exemple. Je trouve que les politiques ont été absolument parfaits. Je pense que la presse a été absolument parfaite, pour une fois sans aucune équivoque d'aucune sorte. Et les gens qui m'écrivent m'écrivent toujours gentiment, de manière unanime. Vous savez, il y a eu une époque où j'ai quand même reçu des photos de moi, bébé, dans les bras de ma mère, en disant que, à l'époque de l'avortement, on se demandait pourquoi moi j'étais là. C'est pas très agréable, mais je suis assez familier avec ce genre de choses. Donc, oui. L'année prochaine, mettons plutôt le Père Noël sur les boîtes aux lettres. Je ne crois pas qu'on mettra de croix gammée. Donc voilà, évitons la provocation. Mardi prochain, il faut le rappeler, il y aura une marche contre l'antisémitisme et on espère que nous serons nombreux à y être. Simone Veil, icône collective, et Raphaël Antoven était sur ce plateau il y a quelques jours et voici ce qu'il disait. Cette personne-là que tant de gens détestent, cette migraine éternelle pour les imbéciles, demeure. Et là, et moi je préfère penser à ça. C'est-à-dire le fait qu'on s'en prenne à son image, et surtout l'occasion de montrer qu'on s'en est pris à son image, de réparer son image, de dire pourquoi cette image est importante, de convertir en pédagogie ce qui est le geste fou d'un nazillon. Le problème, encore une fois, ce n'est pas tellement les nazillons, ce sont les lâches qui tolèrent ça, qui cessent d'être vigilants ou qui s'y habituent. C'est drôle quand il dit que votre mère est une migraine éternel pour les imbéciles. J'essaye en réalité de savoir ce que maman aurait dit et aurait pensé. Elle qui expliquait dans sa vie, de la manière générale, et j'ai une ou deux anecdotes que je ne raconterai pas parce que ça n'a pas d'importance, mais c'était quelqu'un qui n'avait aucune illusion. Et je n'ai pas non plus d'illusion. Presque blasé par ces violences. Non, je ne suis pas blasé, mais je garde ma colère pour moi. D'abord, c'est très difficile à exprimer sans être ridicule, la colère. Pas d'illusion, mais tout de même, Ali le disait, la condamnation, vous le disiez aussi, la condamnation a été unanime. Unanime. Il n'y a pas d'espace pour une expression de quelque nature qu'elle soit pour l'antisémitisme en Rien. France. Il n'y a pas du tout d'espace. Et ça, c'est nouveau. C'est très fort quand même. Oui. Ça, c'est nouveau. Ça ne peut être que secret, souterrain, honteux, l'antisémitisme. C'est la lèpre. Oui, absolument. C'est quand même, hélas, mais c'est quand même une démonstration de. Oui, mais enfin, nous savons tous, il nous arrive de dîner en ville, de croiser des gens dont on a le sentiment que ils ne feraient pas ça. Mmh. Oui. Mais on sent quelque chose. Mais on sent quelque chose. Il y a beaucoup de Juifs qui ne sont pas du tout protégés. Oui, c'est vrai, bien sûr. Oui. Et c'est cela qu'il faut protéger. Et je vais vous dire, moi, ce qui me choque le plus, et encore bien plus que les tags sur maman, c'est l'arbre d'Ilan Halimi. Ilan Halimi, il a des parents dont je pense qu'ils sont en larmes. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est intolérable. Mmh, bien sûr. Voilà. Et donc, moi, je suis un type protégé. Je suis avec les ténors du barreau, là, ça va. Puis je suis invité par. Non, mais. Ce qui s'est passé autour de. Voilà, mais merci. Je suis très protégé. Vraiment, très sincèrement de témoigner. On a dit. Les parents d'Ilan Halimi, ça m'est insupportable. On a beaucoup pensé à la mère. Et donc, effectivement, Ruth Halimi. Moi, je crois que. Maître Henri Leclerc. Tu as raison, bien entendu. La valeur symbolique abominable de ce qui est arrivé sur ce portrait de Simone Veil est évidente. Mais l'arbre d'Ilan Halimi, mais ce qu'il y a de plus préoccupant, c'est les 74% d'augmentation d'actes antisémites en plus. Il y a là quelque chose qui est d'une gravité pourquoi extrême. Chez nous, Henri Leclerc, pourquoi il faut chez pas, nous il ne faut pas le minimiser, il ne faut non, pas non, mais pourquoi chez bien nous, entendu, les autres racismes sont odieux. Mais pourquoi chez nous
Pourquoi quoi ? Non, pas pourquoi que plus 74% mais y a, en France. Je ne sais pas si ça n'existe qu'en France, mais en tout cas, ça existe. De toute façon, et c'est abominable. Et, c'est, et là, véritablement, il y a quelque chose d'absolument insupportable. Et c'est insupportable pour la République. Mmh. C'est pas seulement insupportable pour la famille d'Ilan Halimi ou pour Jean Veil. C'est insupportable pour la République. Il y a là quelque chose qui est quelque chose qui doit attirer notre attention. Je voudrais bien, pardon, je reprends la parole une seconde. 74%, c'est beaucoup, mais est-ce qu'il y en avait 3 et qu'il en a eu 5 ? Non, mais... Oui. Non, mais non, mais c'est oui. vrai. Alors, je trouve vrai cette statistique très encore. Mauvaise. C'est-à-dire, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le nombre d'actes, ce qu'on a considéré comme étant des actes antisémites. Merci beaucoup. Parce qu'on a mis les chiffres derrière. C'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. Voilà, moi j'aurais pensé qu'il y en avait eu beaucoup plus que 541. On va laisser le dernier mot à Simone Veil. Oui, voilà, vous le disiez, votre mère, Simone Veil, a souvent été confrontée à des actes antisémites. Avril 1975, elle témoigne de ce qu'elle a vu au bas de son immeuble. Ce qui a été tout de même très désagréable dans le débat, c'est la façon dont il a été alors faussé par des mouvements d'opinion à l'extérieur. Hier encore, par exemple, ou avant-hier, j'aurais pu vous montrer sur la glace de mon immeuble, à l'entrée, pas dehors, il y a une espèce de peinture assez laide d'ailleurs, et qui était couverte d'une inscription Veil égale Hitler, et la voiture de mon mari était couverte de croix gammées. Je pense que là, ce genre de choses se sont produites parce qu'il y a vraiment eu une campagne d'intoxication qui a porté ses fruits. 1975-2019, le calme avec lequel elle réagit et elle s'exprime est quand même impressionnant. Et on peut en être admiratif. Je le suis, moi. Et vous avez bien raison. Vous restez avec nous, Maître Jean Veil. C'était le 5 janvier dernier et nous étions tous sidérés. Et le procès de Christophe Dettinger avait lieu cette semaine. Une salle d'audience bondée, un climat tendu. Le boxeur de gendarmes, Christophe Dettinger, dans le box des accusés. Au fil des semaines, Christophe Dettinger est devenu un symbole pour certains gilets jaunes. Sa ligne de défense, c'est de dire « je ne suis pas un casseur de flics », ce dont l'accuse la partie civile, mais j'ai cédé à la colère et je le regrette. Monsieur Dettinger devra répondre de ces faits, qui sont des faits commis froidement, qui sont des faits extrêmement graves. On ne touche pas aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Christophe Dettinger a donc été condamné à 1 an de prison ferme et c'est une peine qu'il pourra aménager dès la semaine prochaine en régime de semi-liberté. On espérait mieux, mais on n'y croyait plus. Donc on est soulagé, oui. Maître Henri Leclerc, c'était un procès qui était très attendu, scruté, observé de très très près. Et on a l'impression que les deux parties sont satisfaites, c'est extrêmement rare. Écoutez, je crois que ce procès a été un procès rude, parce que c'est un procès dans lequel on avait ces images qui s'imposaient à tout le monde et qui évidemment choquaient profondément. Mais comment est-ce que vous les avez reçues, vous, ces images ? Comment ? Comment est-ce que vous avez reçu ces images, écoutez, je les ai reçues comme tout le monde. Voyons, quand je les ai vues... Avant d'être son avocat ? Avant de son avocat, je l'ai reçu comme tout le monde, comme une scène d'une violence grande, enfin bon, d'un homme certes à main nue, mais qui donne des coups de pied à un homme à terre, etc. Je l'ai ressenti comme tout le monde. Ceci étant, bon, quand il m'a, j'ai vu un peu plus loin. Pourquoi ? Parce que les images, c'est très bien, mais ce n'est que l'écume des choses. Quand on juge, on ne juge pas le crime seulement, on juge le criminel, si je puis dire. Ah oui. On juge celui qui a commis l'acte. Or, nous n'avions rien. Voilà un homme dont on savait qu'il avait été champion de France. Il a été champion de France de boxe cadet, junior, professionnel. Enfin, il a été un peu professionnel, mais ça fait 17 ans. Oui, longtemps. 17 ans qu'il travaille, qu'il est connu. Mais vraiment, les notes, je pourrais dire, sur lui, la façon dont il est considéré, considérable. Il vit tranquillement dans un petit pavillon de banlieue qu'il paye à crédit. Il est agent de maîtrise municipale. Les maires qui l'ont utilisé font des éloges dithyrambiques, dont le vice-président du Sénat. Donc ça a compté attendez, le jugement. C'est quand même important. Voilà un homme tranquille qui n'a jamais eu un engagement politique, quel qu'il soit. Son seul engagement politique, c'est qu'il a poussé ses enfants, il organise le conseil municipal des enfants. La seule manifestation à laquelle il a participé dans ta vie, c'est une manifestation des enfants dans sa commune avec ses propres enfants. Il a exprimé des regrets ?
Oh bah attendez, il a fait plus que ça, depuis le premier jour. Depuis le premier jour, il exprimait des regrets. Mais comment il l'explique alors, vous dites? Attendez, mais attendez, on va y arriver. Il a exprimé des regrets et il les a exprimés de façon très forte et très émouvante. Le Monde a publié presque intégralement sa déclaration à ce sujet. Il n'a pas seulement présenté des regrets, il s'est adressé aux gendarmes qui étaient en face de lui. Il a dit à quel point il était bouleversé par ce qu'il avait fait. Et il était bouleversé pour le gendarme, pour, et puis pour son image. Et il est très bouleversé par l'image qu'il donne à ses enfants. Très bouleversé. Bon, donc, les regrets, il les a exprimés, et pas seulement des regrets en lien avec la peine, je dirais. Oui. Bien, ça, c'est le premier point. Et le deuxièmement, c'est comment on explique ça. Alors, comment on explique ? Il faut d'abord savoir comment on explique qu'on devient gilet jaune. Parce que voilà un homme tranquille, parfait, qui n'a jamais eu de manifestation, rien. Pourquoi va-t-il là ? Il n'est même pas dans une situation de misère. Il n'est pas, sa femme est assistante maternelle, évidemment, ils ont un revenu faible avec les mensualités qu'ils doivent payer. Pourquoi va-t-il manifester ? Bon, personne ne s'est posé cette question. Parce que c'est un gilet jaune type, c'est pas du tout un casseur. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, il a le visage découvert, enfin, il n'accepte point, c'est bon. Mais c'est... Donc, c'est un gilet jaune. Pourquoi manifeste-t-il ? Première question à poser. Pourquoi est-il en colère ? Et il dit, la colère m'a pris, j'ai pété les plombs. Mais comment est-ce que vous défendez un homme qui... tout le monde a vu qu'il était coupable de ce qui lui était reproché. Mais qu'est-ce que vous appelez coupable ? Il l'a fait. Ceci étant le problème. Il l'a fait, responsable. Mais le problème de la justice, ce n'est pas seulement, quand un qui afflige une peine, ce n'est pas seulement de juger un acte qu'on voit, l'écume de l'acte, ce qu'on voit à la télévision. Il faut comprendre pourquoi. Alors, tout le problème, c'est une manifestation qui est coincée, qui ne peut plus bouger, la peur. On l'entend parler. Je crois que c'est lui ou c'est un de ses voisins. Il dit aux policiers qui sont devant lui, faites pas les cons, vous êtes comme nous. Il y a des mères de famille avec nous. Laissez-nous passer. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous laisser passer. Voilà ce qu'il dit aux policiers. Bon. Et puis, c'est le problème général des manifestations. Je ne veux pas entrer dans le détail. Là, c'est pas... Et là, il se met en colère. Et c'est vrai que là, le policier à terre auquel il donne des coups de pied, c'est une gravité extrême. Celui qu'il boxe, c'est pas bien, mais enfin, il boxe avec des gants. Avec des gants. Mais ses poings sont des armes, parce que lui, sait les utiliser. Donc, oui, mais enfin, attendez, il y a 20 ans qu'il ne l'est plus, un champion de France. Bon, oui, mais enfin, il y a des beaux restes. Hein. En tout cas, ce qu'il y a certains... Attendez, n'exagérons pas. Il tape sur un casque et sur un bouclier. Je ne dis pas que c'est pas grave. Non, mais enfin... Je n'ai pas un instant atténué la gravité des faits. Et puis, c'est votre rôle. Mais non, mais je n'ai pas atténué. Mais je suis bien obligé de dire que la justice, ce n'est pas seulement ça. Non. On juge un homme. On le juge dans son passé. Dans le contexte. On le juge dans les raisons pour lesquelles il est intervenu. C'est pour ça qu'on voulait vous entendre. Et on le juge sur ses facultés de réinsertion. On juge un homme. Et là, on juge un gilet jaune qui a pété les plombs. Bon, voilà ce qui s'est passé. Un procès emblématique, malgré tout. Et c'est une peine sérieuse, quand même. C'est pas, oui. C'est pas rien. Oui. Bon. Un procès emblématique, Émilie. Un procès emblématique, très suivi. Sa défense aussi a été très suivie, très écoutée. Il avait d'ailleurs fait une vidéo aussi sur les réseaux sociaux pour exprimer ses regrets. Oui. Et ce sont des mots qui ont été écoutés au plus haut sommet de l'État. Il ne faut pas se tromper. On est d'une naïveté extraordinaire pour la vidéo qu'il fait avant de se rendre. Il a été briefé par un avocat d'extrême gauche. J'étais pas son avocat. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron en faisant allusion à une vidéo. La vidéo donc et de l'a boxeur. Qualifié non seulement. Attendez, je ne l'ai pas fini. Laissez-moi finir moi aussi. C'est le problème des avocats. Le type, il n'a pas les mots d'un gitan. Il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. Alors est-ce qu'un président devrait dire ça ? Eh bien écoutez, j'ai commencé ma plaidoirie en rappelant ces mots. Et en disant que j'étais profondément choqué. J'étais profondément choqué pour trois raisons. La première, c'est que quand j'ai entendu ça, j'ai dit, va y avoir un avis de démenti. Il n'y en a pas eu, premier point. Deuxièmement, on qualifie un homme par son origine. Je trouve ça détestable. Je le dis franchement. Troisièmement, on estime qu'un boxeur gitan n'est pas capable d'avoir ses mots. Et que quatrièmement, on qualifie un avocat, qui est, je pense, l'avocate qu'il avait à l'époque, d'avocate d'extrême-gauche qui manipulerait son client en fonction de ses idées. Je vais vous dire, cet homme-là, quand il est à l'audi... C'est choquant, c'est scandaleux. Là, je pense, comme je le dis, je tends toujours une explication. Quand il est à l'audience... On commence, quand à la partie civile, de dire « mais il n'a pas exprimé des regrets suffisants, il regrette parce qu'il va être condamné, etc. » J'ai dit une seule chose à mon client, j'ai dit « dites ce que vous avez dit, ce que vous m'avez dit hier, parce que je l'avais vu la veille, j'avais eu beaucoup de mal à le voir, d'ailleurs, enfin bon, dites ce que vous m'avez dit hier. » Et il a fait une déclaration finale bouleversante, que vous pouvez lire dans Le Monde, dans une maîtrise de la langue qui est absolument parfaite, un boxeur gitan n'est pas capable de dire cela, écoutez...
il y a quelque chose qui me choque et je ne comprends pas que le président de la République ne dise pas pourquoi il a dit Henri ça. Leclerc, Eva, il y a eu ce cas-là et bien d'autres, et évidemment. Et bien d'autres cas, oui, les chiffres de condamnation concernant les Gilets jaunes, 1796 condamnations, 1422 personnes en attente de jugement, plus de 1300 comparutions immédiates, 316 personnes placées sous mandat de dépôt. Tout ça en 3 mois, c'est du jamais vu, Maître Leclerc? Ah ben bah, non, c'est pas du jamais vu. Alors, je ne sais pas le nombre. Vous savez, j'ai été l'avocat de beaucoup En termes de mouvement social, hein, j'ai été l'avocat du mouvement social, beaucoup de mouvements sociaux, l'avocat du mouvement. Vous avez été l'avocat de très nombreux leaders de mai 68. Absolument, absolument. Et vous les avez très bien défendus, donc vous êtes habitué. Mais est-ce qu'il y a malgré tout un tournant répressif? Là, la question s'adresse à tous les trois. Ou autoritaire, en tout cas. Non. Bah, bien sûr qu'il y a un tournant répressif, mais un tournant répressif qui correspond à la violence des manifestations. Ça fait partie, malheureusement, des choses. J'attends d'ailleurs, moi, le résultat des 130 ou 150 enquêtes qui sont actuellement à l'IGPN. Maître Leban, vous n'avez pas l'air d'accord sur le tournant répressif. Bon, le tournant répressif, c'est difficile à dire. D'ailleurs, à l'instant, Henri Leclerc disait que les chiffres ne lui paraissaient pas extraordinaires. On est à la 13e, si je ne m'abuse, 14e manifestation du samedi. Divisez ces chiffres par 14, vous verrez qu'au fond, les poursuites ne sont pas si extraordinaires. D'un mot, est-ce qu'il faut une amnistie pour les gilets jaunes, comme il y a eu une amnistie après mai 68? Certains le demandent. Écoutez, une amnistie, j'ai connu ça toute ma vie. J'ai défendu beaucoup de mouvements sociaux. Et l'amnistie, ça a commencé avec la guerre d'Algérie, où, par exemple. On a amnistié tout le monde, les militaires d'ailleurs, comme les autres. Donc, une amnistie, j'espère qu'elle interviendra un jour pour tous ces gens-là, mais elle ne pourra intervenir que quand le mouvement sera terminé. L'amnistie intervient lorsque les faits en relation avec les peines sont des faits définitivement terminés. On tourne doublement la page, parce que les faits ont cessé et parce qu'il faut oublier les peines qu'ils ont entraînées. On a beaucoup amnistié après la Seconde Guerre mondiale et la collaboration et des gens qui avaient participé d'une certaine manière à la Shoah. On a amnistié par exemple des gens comme l'ORS aussi, il ne faut pas l'oublier. Par exemple. Donc, l'amnistie, ça peut être très vaste. Merci à tous les trois, vous restez avec nous. Dans l'actualité aussi, l'affaire et le mystère, Carlos Ghosn. 3 mois que l'ancien PDG de Nissan Renault est en prison au Japon. L'histoire d'une chute incroyable, rappel des faits. Comment Carlos Ghosn, que l'on croyait intouchable, s'est-il retrouvé en garde à vue à Tokyo? Le PDG de 64 ans est accusé d'avoir minoré ses déclarations fiscales. Selon le groupe Nissan, 39 millions d'euros auraient été non déclarés. Mais aussi d'avoir détourné à son usage des fonds de l'entreprise Nissan. Certains de ces fonds auraient servi à acheter et rénover des résidences de Carlos Ghosn à travers le monde. C'est derrière ces murs que Carlos Ghosn est en garde à vue. 3 bols de riz par jour, un peu d'eau chaude. Il dort sur un futon dans sa cellule, à même le sol. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de Carlos Ghosn? Eh bien écoutez, c'est hélas le statu quo. On espère qu'une libération sous caution pourrait intervenir, mais il n'y a pas de perspective précise sur ce sujet. Et je dirais que je partage l'indignation de mon client qui s'est exprimé quand il a eu un contact avec vos confrères du Nikkei et où il a dit que ce qui se passait était le résultat d'un complot et d'une trahison. Vous allez nous expliquer ça justement, mais très simplement, vous lui parlez, ces conditions de détention sont aussi éprouvantes que ce qu'on a pu lire dans la presse ces dernières semaines? Alors, lui parler, c'est impossible, puisqu'il est incarcéré, comme chacun sait, et qu'il n'a pas le téléphone dans sa cellule et qu'il est impossible de le faire. Depuis quelques jours seulement, les conditions de détention ont un peu changé et il est possible de lui rendre visite dans des conditions qui sont des conditions de surveillance particulière, de contact derrière une vitre, enfin bon. Mais cela devient possible. Il y a le procès, il y a ce qui lui est reproché, on va en parler dans un instant. Il y a aussi une autre dimension qui, pour le coup, est une dimension qu'on va dire quasiment médiatique ou sociologique, c'est le rapport de Carlos Ghosn à l'argent. C'est ce rapport assumé de Carlos Ghosn ou pas assumé de Carlos Ghosn à l'argent qui est aujourd'hui sous la loupe des enquêteurs. Alors écoutez, je ne pense pas que ce soit ça qui soit l'intérêt, l'objet des enquêteurs. C'est en revanche ce qui est l'intérêt de la presse et notamment de la presse française. Comme si finalement il suffisait d'être un grand dirigeant d'entreprise
ayant une rémunération évidemment hors norme par rapport aux Français moyens, qui entraînerait une quelconque culpabilité. Il faut rappeler qu'il n'est pas poursuivi en France. Oh, nullement. Il l'est au Japon. Et qu'ici, on s'interroge sur son train de vie notamment. Il faut dire aussi que c'est l'entreprise Renault qui fait état de dépenses dont elle se demande si elle avait à les acquitter ou pas. Vous savez, la presse, en général, elle n'est que l'outil de problème qui existe ailleurs. Hein. Je comprends que vous plaidiez pour vous-même, mais... Indépendamment de cela, ce qui, quelque part, me choque et m'inquiète, c'est que, dès lors qu'il s'agit d'un privilégié de la société, de quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'homme moyen qui travaille et qui gagne plus ou moins péniblement sa vie... On se dit qu'il doit bien y avoir quelque chose de... Ah, pas du tout. Si, pas du tout. C'est l'entreprise Renault qui s'inquiète de savoir si elle a payé des choses qu'elle devait payer. Alors que tout le monde comprenne, justement, on va en parler. Pour que tout le monde comprenne, on va en parler. Renault, par exemple, a signalé à la justice des informations concernant le mariage de Carlos Ghosn au château de Versailles. On en a vu des images très spectaculaires. Vous vous assurez que votre client n'était pas au courant de la location de cette salle du château et qu'elle a été assumée Il était bien évidemment au courant de la location, puisque s'y déroulait cette cérémonie à l'occasion de son mariage. Le problème, c'est qu'il a reçu des documents que j'ai, sur lesquels la mise à disposition des salles du château de Versailles porte la mention « offert ». Voilà, le reste, évidemment, des dépenses a été payé par lui. J'imagine aussi qu'il n'a pas regardé le détail. Il n'avait pas le temps de regarder ce genre de choses. Il a dû se demander combien ça coûte tout ça et acquiescer à la somme totale qui était la sienne. Alors, parallèlement, en même temps qu'on lui dit que la salle est offerte, on déduit cette salle, non pas en termes d'argent, mais en termes de quota. Renault, lié au mécénat qui bénéficiait au château de Versailles, avait la disposition de ces salles, je ne sais pas combien de fois, mettons 5 ou 6 fois par an, et alors que l'on dit à Carlos Ghosn, la salle est offerte pour vous ce soir-là, on va déduire des 4 ou 5 possibilités d'utilisation de Renault cette soirée-là. Non mais attends, on plaisante complètement parce que, n'est-ce pas, les Japonais n'ont pas mis M. Ghosn en prison pour ça. Pour des problèmes qui concernent éventuellement les finances de Renault, éventuellement des abus de biens sociaux français. Il me semble que ce serait à un juge français, le cas échéant, d'examiner ces faits. Donc on est sur un autre sujet. Et le sujet, c'est que les Japonais sont manifestement... Parlons du Japon. Je vais en parler justement. On y arrive. Merci pour la transition. De Carlos Ghosn, qui dit donc que c'est un complot ourdi par des dirigeants de Nissan. Il parle de trahison. C'est ce qu'il a dit donc à la presse, parce que le système judiciaire japonais permet donc aux journalistes d'interviewer les inculpés en détention. C'est comme ça donc que Carlos Ghosn a pu répondre à Nikkei pendant 20 minutes fin janvier. Et là, il se dit donc très combatif, impatient de pouvoir se défendre, rétablir son innocence, mais aussi faire la lumière sur les circonstances qui ont conduit à mon injuste détention. Les mots sont importants. Et il ne fait aucun doute, dit-il, qu'un carteron de haut placé dans l'entreprise voulait se débarrasser de lui. Pour vous, cette théorie du complot, elle est crédible ? Ah, elle me paraît parfaitement crédible. Pourquoi ? Parce que le projet de Carlos Ghosn était de réunir les 3 constructeurs automobiles, Nissan, Mitsubishi, Renault, dans une sorte de rassemblement qui ressemblerait à une fusion, en quelque sorte, sous la conduite d'une société unique qui aurait dirigé les 3 sociétés. C'était une manière, notamment pour Nissan, de perdre son autonomie, de perdre son identité, de se fusionner dans cet ensemble. Et un certain nombre de personnes, chez Nissan, il le dit, étaient farouchement opposées à cette perspective. Alors, on a fait l'enquête. Alors, on a monté un dossier. Et de quoi parle ce dossier? Rappelez-vous quand même les choses. On a commencé par nous dire qu'il ne déclarait pas ses revenus au fisc japonais. Jusqu'au moment où on a découvert que les revenus dont il s'agissait étaient des revenus qu'il n'avait pas touchés, qu'il aurait peut-être touchés plus tard,
lorsqu'il aurait quitté ses fonctions de président de Nissan, ce qui d'ailleurs n'était pas sûr, puisqu'il y avait une option. Mais vous savez qui sont les hauts cadres de Nissan qui voulaient sa chute ? Écoutez, je n'ai pas de nom précis. Je ne sais pas quel est son nom, mais c'est le premier monsieur qui a fait la conférence de presse. Écoutez, je vous laisse le soin de cette mention que, pour ma part, je constate. Oui. Mais enfin, bref, il y a des gens qui ne voulaient pas de ce projet. Deuxième chef de poursuite, parce qu'il n'y a pas que cela, cette fraude fiscale fantasmée sur des sommes qu'on ne touche pas. C'est quand même extraordinaire. Et puis, on espère que Carlos Ghosn a un avocat au Japon qui est aussi bon que vous en France. Écoutez, je n'ai pas le plaisir de connaître le nouvel avocat qu'il a pris. Avocat. On le dit combatif, j'espère qu'il le sera, surtout qu'on sait que dans le système japonais, pour pouvoir faire triompher son innocence, il faut être combatif. Jean-Michel. Le problème que pose l'incarcération de Carlos Ghosn, parce que sur le fond, ça, je ne sais pas s'il y a un complot ou pas, c'est difficile à déterminer d'ici en tout cas, ce sont les conditions de sa détention. Le fait même qu'il reste en détention pour ce que l'on pourrait appeler de la fraude fiscale. Ça arriverait à quelqu'un d'autre, sans doute Carlos Ghosn aurait enregistré plus de solidarité à l'intérieur de la société française. Et sans doute, par exemple, les membres du gouvernement, Bruno Le Maire, ministre de l'économie par exemple, aurait dit quand même le sort fait par nos amis japonais à Carlos Ghosn n'est pas tout à fait normal. Mais tout ça, ça ne vient pas. Parce que Carlos Ghosn est devenu la figure du méchant, l'argent, tout ça, c'est sale. Alors du coup, peut-être qu'il a fraudé un peu, alors qu'il reste en prison, voire qu'il pourrisse en prison, dans des conditions de détention qui ne sont pas dignes d'une démocratie, qui ne sont pas dignes du Japon. Nous sommes au 21e siècle. Le faire dormir toute la nuit avec la lumière allumée, quand même, il pourrait s'en dispenser, il pourrait éteindre la lumière. Ça n'apportera rien au dossier de procéder comme ça. C'est un peu de la torture, hein, on peut appeler les choses comme ça. Et il faut constater que les responsables politiques français... Camembert, il n'y en a pas un qui parle, il n'y en a pas un qui prend sa défense. Et moi, j'ai toujours pensé que ce genre de choses, les droits de l'homme, le reste, ça ne se divise pas en tranches de saucisson. Ça vaut pour tout le monde, y compris pour des patrons. Ah bah. Ce silence-là, ça vous choque Ah bah, bref, écoutez, je suis intervenu, je pense être un des premiers à être intervenu. Je suis intervenu à RTL sur, je pense que c'est Fogiel, un soir. Je suis intervenu après sa mise en détention. Bien entendu, je n'ai strictement rien à dire là-dessus. Moi, je serais intervenu. Vous parlez des conditions de détention. Comment ? Je n'ai rien dit sur sa culpabilité ou tout cela. Mais les conditions de détention telles qu'on nous a rapportées, je l'ai dit et je n'ai pas été démenti sur ce point, sont contraires au pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques que le Japon a signé. Et il y a là quelque chose qui est absolument intolérable, ce qu'on disait il y a un instant, c'est-à-dire la façon dont on traitait un homme. Je serais intervenu exactement de la même façon pour le dernier des pauvres, mais Carlos Ghosn a le droit d'être défendu et il a le droit de ne pas être traité de cette façon comme il l'a été dans les premiers temps. Voilà. Alors, curieusement, et je suis intervenu publiquement, le Japon, ce qui a surpris certains d'ailleurs. Après tout, c'est le Japon, c'est un peu lointain le Japon, alors bon, c'est un peu normal parce que c'est le Japon, c'est quand même assez idiot. Oui, qu'on soit puissant ou misérable, en inversant en quelque sorte le propos de La Fontaine, quand on est dans les conditions de détention que vous décriviez à juste titre, on est un homme qui souffre. Et le problème, c'est que on est un homme qui souffre en l'espèce sans raison. Je dois dire aussi, parce que le système n'est pas toujours connu, d'un mot, que les mêmes faits, pour autant qu'ils eussent été poursuivis en France, je n'en suis pas certain, mais à le supposer, n'auraient jamais entraîné une incarcération de cette nature. On aurait fait une enquête et on se serait aperçu qu'on s'est trompé. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que mon confrère japonais qui arrive dans l'affaire parvienne à ce résultat. Il y a aussi le statut de Carlos Ghosn, c'est l'un des plus grands chefs d'entreprise au monde. Et il a quasiment un rang de chef d'État. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça, c'est vraiment une star au Japon, Carlos Ghosn. Le Japon était fou de Ghosn, il signait des autographes quand il sortait dans la rue, on a pu lire. Il pouvait inviter Lula à sa table ou téléphoner à Vladimir Poutine au JO de Rio. En 2016, Carlos Ghosn portait la flamme olympique. Paris Match, le magazine des People, assurait qu'il était aussi célèbre au Japon qu'Alain Delon ou Sophie Marceau. Je me suis demandé, est-ce que cette popularité sert ou dessert votre client ? Vous savez, Carlos Ghosn au Japon est un sauveur. Lorsqu'il intervient en 99-2000, Nissan, la grande entreprise Nissan, est à terre. Il n'en reste rien. Bon, et en quelques années, 5 ou 6 ans, il va la faire remonter quasi au premier rang mondial, même si le premier rang mondial est en réalité la réunion des divers constructeurs. Je crois qu'on aime les sauveurs, à condition qu'il ne s'attarde pas trop. Oui. L'exemple qu'on aime bien, c'est Cincinnatus. On fait le boulot
et on retourne chez soi. Et puis finalement, les grands héros, quand ils s'attardent, on finit par les pousser vers la sortie. C'est de Gaulle en 1944, mais en 1946, c'est terminé, et ainsi de suite. Et je pense que son tort, son seul tort, est peut-être d'être resté trop longtemps et d'avoir voulu continuer à réformer un système qui devenait plus compliqué parce qu'il n'avait plus affaire à une entreprise qu'il fallait sauver, mais à une entreprise triomphante. Merci à tous les trois. Vous restez avec nous. C'est l'heure du palmarès d'Antoine Genton.